notre objectif est de remporter la région. Et pour les candidats donc, de la Haute-Marne, bien sûr, nous avons l'espoir d'arriver en tête face aux coalitions de gauche et du centre. Nos adversaires, qui ne respectent que très rarement leurs promesses, et donc leurs électeurs, montrent encore plus d'incohérence entre les idées qu'ils prônent et les hommes et les femmes chargés de les mettre en œuvre au cours de ces régionales. Mais aussi, on peut constater donc une distorsion entre les attentes des Français et les propositions de ces coalitions de gauche et du centre. Concernant la gauche, on a un peu l'impression d'être au mercato, de football en fin d'année, puisqu'on se rend compte que la liste du Parti Socialiste est menée par une ex-écologiste, donc Europe Écologie des Verts, imposée aux militants, puisque les militants, eux, avaient choisi lors du vote, et ça avait été annoncé dans la presse avant l'été, que Roland Daverdon allait être tête de liste, et donc ça a changé parce que Patricia Andriot voulait se positionner, donc elle a été prise sur la liste PS. De l'autre côté, on s'aperçoit que la liste Europe Écologie des Verts, elle, va être menée par une Rémoise qui est une ancienne du PS et qui a rejoint Europe Écologie des Verts. Donc, je pense que là, les militants aussi vont peut-être avoir un peu de mal à s'y retrouver. Concernant la liste centre-gauche UDI Modem, elle doit quand même poser un sérieux problème de conscience aux militants de droite, égoïstes, puisqu'en effet, pour un militant de Les Républicains, c'est le nom du parti, comment se décider à porter son suffrage sur des candidats qui rejettent l'héritage gaulliste? Comment voter pour des candidats qui vont même jusqu'à exclure une tête de liste départementale parce qu'elle reprend des paroles du général de Gaulle? Avouez que c'est aussi un comble pour notre département, car en 2015, je le répète, le général de Gaulle ne pourrait plus se présenter aux élections en Haute-Marne. D'autre part, les électeurs doivent avoir du mal à comprendre qu'ils doivent voter pour une liste UDI Modem, alors même que le président du Modem, François Bayrou, a appelé à voter François Hollande en 2012. La liste du Front National, elle, ne porte aucune ambiguïté. Nous sommes des patriotes souverainistes qui respecteront nos actes de campagne avec pour objectif le développement harmonieux de notre territoire afin de répondre aux attentes de la population.